Bonsoir à tous. Alors, ce soir, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc, celle-ci se consacre du coup à l'art thérapie. Donc, si vous n'aimez pas de l'art thérapie, je vous le dis avant, ne la regardez pas. Voilà, parce qu'elle va être assez longue, parce que le contenu est toujours aussi impressionnant. Donc, voilà. Donc, je suis ravie de l'avoir reçue aujourd'hui, parce que d'habitude, je la reçois toujours le samedi. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas livrer chez moi le samedi, comme je suis dans une résidence privée. Ma gardienne est en week-end, donc voilà. Et il n'essaye même pas d'appeler, en fin de compte, et il le dépose même pas dans ma boîte aux lettres. Bref, ce sont des livreurs, voilà. Ils ne veulent pas essayer de livrer le samedi. Donc, bref, voilà. Je suis ravie vraiment de l'avoir le vendredi. Et du coup, je vais vous la présenter. Donc, c'est sur le thème de la bonne année. Et le contenu est vraiment topissime. Donc, en plus, ça tombe bien parce que le matériel qui est dedans, je ne l'ai pas du tout. Et le livre non plus. Donc, voilà, je vais vous le présenter. Donc, comme d'habitude, la box se présente. Donc, c'est fait noir et je vais pas dire doré parce que ça brille pas, mais oui, doré dans le sens couleur. Voilà. Hop, donc présente comme ceci. Donc j'aime bien parce que maintenant ils font toujours une box différente pour tous les mois. Donc ça c'est vraiment sympa et en thème avec voilà le, enfin en rapport avec le thème du mois. Donc c'est parti. Donc on a eu un petit papier. Attendez, si je vous le mets en anglais. Donc qui préviennent qu'ils changent le site. Donc lisez-le bien, je vous le mets comme ça. Mais en fin de compte, vous restez faites abonné jusqu'au 7 février. Et après, il faut vous réinscrire sur un autre compte. Voilà. Et ils vont nous donner un coupon fidélité pour des réductions car l'e-shop va ouvrir. Voilà. Mais lisez bien ce papier et gardez-le. Comme ça, au moins, vous avez la nouvelle adresse du site. Et la date aussi, les dates voilà, à laquelle ils changent. Voilà. Hop! Donc, comme d'habitude, on a un petit thé. Donc, ce mois-ci, c'est un thé vert mélange de fruits et d'herbes saveur citron abricot. Donc, voilà, mon chat a adoré l'odeur parce que la première chose qu'il a faite, c'est un câlin au sachet de thé. Voilà, faut pas comprendre moustache. C'est pas macassien hein, puisqu'elle n'aime pas les odeurs trop douces, macassien, alors que moustache est plus fin, voilà, niveau saveur. Bref, je vous épargne les détails. Mais voilà, il faisait des câlins au sachet de thé. Donc, je crois que Moustache est prêt pour se faire des petits thés à la maison. Ensuite, on a eu en confiserie, comme d'habitude. Alors, je trouve ça trop mignon. C'est un espèce de crayon, en fin de compte. Et à l'intérieur, il y a des Smarties. Donc, en plus, le crayon, on peut le garder par la suite. Donc, voilà. Donc, ça, c'est super chou. Ensuite, niveau matériel. Donc, par quoi je vais commencer? Hop. Alors pareil, si vous voulez une présentation du matériel, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Le livre, je vais le faire ce week-end, je pense. Dimanche, oui. Donc, alors, on a les Giotto Turbo Glitter. Donc, moi, j'ai eu des retours par Myriam qui les a déjà. Et ils sont vraiment top. À ce qui paraît, on voit bien l'effet pailleté. Donc, j'ai hâte de les tester. Voilà. Donc, tout est vraiment festif dans la box. C'est très, très sympa. Ensuite, alors ça... Quand j'ai vu ça, j'étais trop contente parce que en plus je voulais me les prendre pour les tester. Donc ça tombe bien. Donc ce sont les Faber-Castell Pit Brush. Du coup, non, c'est pas les Pit Brush, pardon, c'est les pens normales métalliques parce qu'on voit la mine là de 1,5. Donc je suis ravie. J'ai hâte de les tester. Je pense que je vous ferai une vidéo dessus pour savoir comment ils sont. Mais bon, Faber-Castell, je n'ai pas de doute là-dessus. Ensuite, les Lyra. Hop. Donc ce sont des crayons métalliques. Donc on en a 6. En plus c'est des Giants. Donc voilà, 6 pièces. Donc on a quoi comme couleur? Ah, ils sont là. Voilà, on a un vert, un violet, un jaune, un marron, un orange et un argenté. Donc hâte de les tester aussi. Donc vous voyez, c'est tout pailleté, métallique. Vraiment, ils ont suivi le thème voilà, de la bonne année. Ensuite, nouveau matériel, donc ça j'avais hâte de l'avoir parce que je voulais vraiment tester. En fin de compte, c'est quand notre crayon, quand un crayon est trop petit, pour pouvoir l'utiliser jusqu'au bout, vous le mettez à l'intérieur et ça vous permet vraiment de l'user jusqu'à la dernière miette entre guillemets. Parce qu'il faut que quand même vous puissiez mettre un petit bout à l'intérieur.
Mais voilà, en tout cas, c'est super. En plus, il est couleur, évidemment, métallisé. Donc voilà, c'est génial. Ensuite, on a eu trois illustrations. Hop, comme d'habitude, c'est Lisa Hughes, qui est une artiste extraordinaire. Alors, si je me trompe pas... Oui, c'est ça. Hop. Donc, on a celle-ci, celle-là et celle-là. Hop. Attendez, hop, je vous les mets comme ça vous pouvez les voir. Donc, voilà. Ensuite, alors le livre, ça tombait bien. Attendez, parce qu'il est plein de petites paillettes. Hop. Alors, vous voyez, on a eu des petites étoiles dorées dans la box. Voilà, alors c'est le livre, le premier livre de Fafae, Les 4 saisons fantastiques, par les éditions Pegasus Coloring Book. Alors ça, je suis vraiment ravie de l'avoir, parce que je voulais me le commander en plus. Donc, il est vraiment splendide. La qualité du papier... Bon, j'en ferai une vidéo par la suite, voilà. Comme ça, au moins... Mais en tout cas, j'ai hâte de le voir et de le regarder. Et de le colorier, surtout. Voilà, mais en tout cas, ça promet pour ses prochains livres. C'est une artiste, n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook et Instagram. C'est une artiste extraordinaire. Voilà, donc voilà ce qu'on a eu dans la box de ce mois-ci. Donc n'hésitez pas pour la prochaine box, c'est jusqu'au 7 février... non, attendez. Jusqu'au 15 février pour vous inscrire à partir du 15 février. N'hésitez pas à aller sur la nouvelle adresse du site pour ne pas louper celle de mars. Voilà, donc les dernières informations que j'ai à vous donner, je crois que c'est tout. Oui, donc n'hésitez pas à me dire surtout si vous voulez un tuto ou... n'importe quelle question que vous voulez poser, voilà, n'hésitez pas. Je vous fais à tous de gros bisous et passez un très bon week-end. Au revoir.